Pas de concentrer avec lui. Ah, il y a une enfant, non. C'est un rayon pour les adultes, ça il faut pas regarder. Surprise, motherfucker. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec ma petite Biu-Biu. Hello. Je vais vous expliquer un peu les galères que j'ai eues. Je devais venir à Paris pour aller avec chez Dooms. On avait prévu plein de trucs, plein de vidéos, plein de machins. On devait faire à Disney. Sauf qu'il y a eu plein de trucs. Non, mais le destin veut pas que tu y ailles à Disney. Ah clairement, clairement. Le destin il me dit non meuf, tu n'iras pas t'enjailler. Dooms avait des problèmes donc elle a pas pu m'accueillir. Finalement on a quand même pu trouver une date et ravancer la date. Du coup j'ai prévenu les autres personnes qui devaient venir. Mais du coup ils avaient déjà organisé leur truc pour ce jour-là. Finalement on va y aller quand même. Ouais, on voulait quand même y aller. Toutes les deux avec mon copain et son frère. Et en fait il y a une tempête. Du coup bon les gars, vu que je sens un peu la crasse, je vais filer à la douche maintenant. Voilà. Numéro 2, on se déshabille à la cam. Non je rigole. Pourquoi on dirait toujours j'ai des poils, genre j'ai rien, ils sont épilés, leur tire. On dirait toujours. Alors qu'est-ce qu'on peut piquer chez Biu? Est-ce qu'on pique ses lingettes pour bébé? On dirait pas une tortue à cacher l'amour, genre. Alors. Tu as la bombine quand même dans la personne. En plus, c'est toute petite. Regarde, là je suis gothique et là je suis normale. Et là je mets mon œil dans la tortue. Va te concentrer avec lui. Voilà le résultat final. Later. Regarde, Biu, je vais t'envoyer une bouteille avec un message d'amour. Vu qu'on n'a pas de mère, je la mettrai dans les chiottes. Ah oui, et je mettrai un message d'amour dedans. Ton mec il va dessus, puis tu sais, il chie dans les chiottes. Et tu récupères. Mais je t'avais pris ça, mon chéri. Franchement, ça me blesse que tu chies comme ça sur l'amour que je t'offre. Ça, c'est grave le bouton entrée des gens agressifs. Là, faut pas penser à mes jambes, sont dégueulasses. Je sais. C'était les examens, ok. J'ai une excuse. C'était trop stressant. C'est quoi, c'est une souris? C'est une souris pour. Pas simple. Il y a une petite voiture dedans. À moi. Ah, j'avais la version canard. Regarde, coin. XXX, les carnets très cochons. Je deviens une racaille de la cité. Kit spécial racaille, les fausses cigarettes et le super collier qui touche à ton. Mon médaillon touche à mon. Oh my god! T'as vu la taille de sa baguette? Ah bah c'est gratuit. Bah ça tombe bien. Allez, on y va. Et là quand on te court après, tu fais excusez-moi, je suis de la police, vous pouvez pas m'arrêter les gars. Oups. Oh my god! Attends, y'a le flingue qui est là. Vas-y, file ton fric, hop, t'as la crédibilité sur 10. De quoi? C'est ma bouche! Le générique a bien changé. Mais ça, c'est super creepy, j'ai l'impression d'avoir déjà vu une vidéo sur internet avec un lapin flippant comme ça. C'est Bugs Bunny, mais en version super creepy. Catcher! Mais qu'est-ce que le lapin? Tu es un lapin, Bune. Tu dois te comporter comme un lapin maintenant. Je suis le lapin de Paris. Un lapin, ça parle pas. Ah, pardon. Pff, sexy look. Get the sexy look. Get the London look. Get the London look. Quoi? Allez, tu l'as retrouvé? Ça va? Je l'ai retrouvé, c'est bon. Ça va, t'es pas trop perdu. C'est vrai que quand tu perds ta culotte, c'est pas toujours facile. Hein. Alors, je vous ai pas dit, mais Biu-Biu, elle habite à la place du Prout. Du coup, j'ai décidé d'emménager juste à côté, au boulevard de Mini. Voilà. Au début, je vois ça, je vois rue de la Soie, je me dis bon, ça va. Puis là, je vois ça, je fais bon, et filons. En plus, c'est marqué cadeau, tu sais, genre. Enfin, ouais, je pense que les gens seraient grave flattés si tu leur offres un cadeau. Non. Tiens, ça c'est pour toi, boulevard Mini. J'espère que ça te plaît. Ne le prends pas personnellement, c'est juste pour rigoler. J'invite le rayon derrière en fait. Oh my god, mais c'est l'endroit où il y a tous les trucs sexuels. Oupsie. Vas-y, faut que j'arrête de me filmer dans ce sens-là. Vous voyez juste des grosses. Des sifflets foufounes. Depuis que je vais en cours avec mon stylo zizi, j'ai des vachement meilleures notes avec mon prof. Je trouve ça bizarre quand même. Zboub l'éponge. Oh là là, Zboub l'éponge. Ok, d'accord. On est sur ça. Mon fils, quand tu deviendras adulte, je t'offrirai ça. Le slip banane pour banane bien mûre. C'est dégueulasse, j'en peux plus. C'est quoi ces horreurs? Enfant, non, 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 non. C'est un rayon pour les adultes, ça il faut pas regarder. Je crois que même les enfants sont intrigués, regardez. On veut pas aller voir leur tête, mais hop là, deux enfants, ils doivent avoir quoi? Ils comprennent pas, ils comprennent pas. Et ben parfait, j'ai peut-être pas mon permis de conduire, mais au moins avec ça, j'aurai le permis de fou rire. Oh, mais qu'est-ce qu'on rigole ici sur cette chaîne, dis donc. Faudrait peut-être que je pense à arrêter YouTube, à moi. Je vous ai pas montré mon super bomb outfit. Ouh, bon ok, les collants, j'aurais pu m'en passer, mais bon. Oh, Maya. Oh my god. Maillet, depuis le temps que j'attendais de te rencontrer.
Quand je vois vos commentaires sous les vlogs, je me sens comme ça. Une fois par semaine, je fais quelque chose comme ça. Oui, bon, écoutez, j'ai des problèmes de tuyauterie, ça arrive à tout le monde. Par contre, quand je mange beaucoup de sucreries, ça donne plutôt des trucs comme ça. On dit que commencer la journée en marchant du pied gauche dans une merde, ça porte bonheur, du coup, avec ces super pantoufles merde, votre vie sera faite de chance et de bonheur. Dans peut-être 10 ans, vous serez millionnaire, hein? Qui sait? Soyez ambitieux et achetez vos pantoufles merde. Oh mon dieu, j'ai regardé ici, je me dis, waouh, ouais, c'est trop bien, bonne ambiance, puis au loin, je vois pas quoi. Je vois pas des trucs de pierre tombale là. Ah, ça vient de niquer toute l'ambiance du vlog, vas-y, je sors de là. Ashley, tu veux? Bon, et filons. Ok, bon, qui veut se jouer? Moi, je veux bien. Je vais me lancer toute seule. Est-ce qu'il fait quick? Test. 2 hours later. Tout à l'heure on était en train de faire les magasins et les gogoles à la foire fouille tout ça machin, c'est bien. Mais en attendant, ça fait 20 minutes qu'on tourne parce que je suis une très mauvaise copilote. Et que en fait on devait suivre la voiture du ferry de Bune et il nous a paumé. Et si vous vous demandez pourquoi je suis à l'arrière comme un taximan, bah c'est parce que Ashley mon esclave, du coup bah il me conduit. Non je rigole, en vrai c'est juste que la portière est bloquée et du coup tout à l'heure on a fait la voiture, c'est de la merde. Sa portière là bah il s'ouvre pas. Du coup voilà, et la neige commence à tomber. Ça c'est la fameuse raison de pourquoi on n'ira pas à Disney demain à mon avis. Hello darkness my old friend. Bon, non, au revoir. Salut. Ça fait un plaisir de manger avec toi. Non. Let's try. Bon, on peut improviser, la meuf, elle a visé là. Si Bune est poussée dans la neige, je me dédaigne de toute responsabilité. Attends, tu vas voir, ouais. Surprise, motherfucker. Non, je te tiens à garde, bah alors c'est que j'ai bien visé.